Chers invités qui traitaient de l'amour, chers collègues au physique de vautour, chère Isabelle, belle comme le jour, et enfin, cher public qui va applaudir et hurler comme un sourd, bonjour! Ah, l'art d'aimer, en voilà un sujet aussi vaste que délicat. Bon, je serai honnête avec vous, hein, j'ai pas vu le film. J'aurais bien été, j'aurais été volontiers, mais Isabelle m'a dit « Oh, tu sais, c'est pas la peine, tu vas perdre ton temps. C'est très médiocre comme film. Non, j'ai pas dit va ça. Plutôt prendre une douche et comble-moi de bonheur. Je n'ai pas vu votre film, mais je suis sûr que c'est génial. Alors j'ai lu à propos du film, justement, au moment où l'on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une musique particulière. Elle est pour chacun différente et peut survenir à des moments inattendus. Et c'est tellement vrai que l'amour peut résonner en nous de façon si mélodieuse, mais aussi si différente. Imaginons par exemple ce qu'ont pu ressentir quelques personnes quand elles ont aperçu pour la première fois la personne justement qui les faisait vibrer. Quand Carla a vu pour la première fois arriver son amoureux, dans sa tête et dans son cœur, elle a vibré. Elle a vibré au son de la musique des Schtroumpfs. Quand elle a vu Nicolas s'avancer vers elle de son pas assuré avec un périnée hyper musclé et son épaule folle qui en dit long sur sa promesse de coup de rein peut-être épileptique lui aussi. Ah, musique, musique, quand tu nous inspires et tu nous enivres. Ah, il est clair qu'on a chacun la nôtre. Allez, on connaît celle qui résonne dans la tête de Dominique Strauss-Kahn quand il arrive à poil dans les salons du Carlton de Lille. Une musique entraînante qui l'encourage et le pousse même à attraper toutes les petites cochonnes possibles. Hep, viens là, toi, tac, 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 hop, oh, toi maintenant, tac, tac, tac. Salut, toi, comment tu t'appelles? Tristan. Hop là, non. Par ailleurs, permettez-moi de vous dire, chers invités, que vous avez frappé à la bonne porte en venant faire votre promo ici, aux Affranchis. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais vous êtes entouré de cas très spéciaux en matière d'amour et de musique étrange. Quand Isabelle se rend à une de ces soirées, que je ne décrirai pas ici, car à cette heure de grande écoute, tellement c'est sale et dégradant pour l'humanité, ce qui s'y passe, je préfère me retenir. Eh bien, dans la tête de maîtresse Zaza résonne un air qui trahit son fantasme le plus sournois. Eh oui, les amis, maîtresse Zaza, son truc, ce serait de se taper 7 personnes de taille réduite en même temps. C'est pas joli, joli, mais ma foi, il doit y avoir pire. Et il y a pire! Henri-Jean Servat! On dirait pas comme ça, sous ces airs d'aumônier de colonie de vacances pour jeunes carmélites en recherche d'identité affective. Mais en réalité, son truc à lui, en plus des chanteuses grabataires qui flottent, c'est les vieilles de l'aristocratie dont il nous parle si souvent. Son kiff, c'est la rombière poudrée avec la fleur de lys tatouée sur le croupion. Et pas frais le croupion! La fleur de lys tatouée à la naissance qui ressemble aujourd'hui à un vieux cactus. C'est pour ça que dans la tête d'Henri-Jean, la musique qui résonne, elle est spéciale. Et oui, les amis, les fantasmes d'Henri-Jean, c'est digne de la famille Adams. Il n'y a pas de mal, Henri-Jean, on a tous nos défiances. Bon, je passerai rapidement sur les aspirations amoureuses de Clara et Sonia, hein, nos deux vieilles filles, qui aujourd'hui ne se font se plus guère, plus guère d'illusions, et non, même pas. Hein. Illusions sur leur pouvoir de séduction, perdu, entre autres, à cause de l'alcool. Ça fait longtemps qu'elles ont fait une croix sur les mecs et que les mecs ne peuvent plus rien pour elles, alors la seule mélodie qui les fait rêver, c'est celle qu'elles entendent à l'heure du bain. Ah, le canard! Le canard, objet insolite, mais tellement salutaire dans notre société où il est si difficile de prendre contact. Alors bien sûr, il y a des cas un peu tordus. Là, d'évidence, on pense à notre journaliste de droite, Alexis Lacroix. Celui qui, quand on le voit, devrait être classé comme appartenant au royaume animal, mais qui, par je sais quel miracle, ou plus sûrement erreur administrative, est considéré comme humain. En même temps, il est difficile à classer, le bougre, hein, quand comme lui on a le regard d'un furet empaillé, la gestuelle d'un poisson tombé du bocal et la démarche d'un hérisson à moitié écrasé. Où est-ce qu'on se positionne? Alors du coup, quand Alexis Lacroix est en position d'attente amoureuse, la musique qui l'envahit et qui l'excite est particulière. Oui, c'est celle des animaux du monde. Et à ce moment-là, je vous garantis que si vous passez dans son champ de vision déguisé en lapin, vous avez intérêt à courir vite, hein. Sinon, vous allez passer un quart d'heure pas très très romantique avec un type bizarre qui se frotte à votre jambe. Alors, bien sûr, et heureusement, il y a ceux, voilà, pour qui aimer est une vraie fête, les gourmands de la cabriole, comme notre Richard Lornac. Oh là là là. Richard qui, lorsqu'il se rend à ses soirées dans les relais routiers, ces soirées intitulées « Moustache qui gratte et pied qui pue oh, ». Lâche-moi. Eh bien, notre pianiste, eh ben, il a un petit air joyeux et entraînant qui lui court dans la tête. Il est comme ça, mon Richard. Hein. Le sens de la fête et du partage. Regardez-moi cet entrain. Regardez-moi cette fougue. Merde, quoi, il a quand même 68 ans. Oh non, écoute. Alors, pour conclure, je serai bref, hein, puisqu'il s'agit de moi.
Je ne vous dirai pas quel genre de musique me parle. Quand j'aime, je me contenterai de vous faire part de celle qui prend possession de toutes mes conquêtes quand elle pense à moi et surtout au bonheur que je leur donne. Oui, je sais, j'ai beaucoup de défauts, mais sûrement pas celui de la modestie. Bon week-end. Merci Daniel Morin, merci à Richard Lornac.